Jésus me tient la main. J'aime Jésus parce qu'il me tient la main. Dans tous mes combats, il est Jésus.
Le thème de notre message, c'est le succès selon Dieu. Dis amen. Amen. Dis le succès selon Dieu. Dis bonjour à ton voisin. Tout d'abord, avant qu'on commence, dis bonjour. Dis bonjour, dis bonjour. Je vois des visages nouveaux. Dis bonjour. Dis bonjour, dis bonjour. 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 Je ne peux pas te dire. Lève-toi, lève-toi. On acclame Jésus pour le papa d'Alison. On acclame Jésus pour le papa d'Alison. Alléluia, sois béni. Amen. Alléluia. Doucement, maman, doucement, doucement. Doucement. Vous savez, j'aime l'éternel des armées. Parce que lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, il n'a pas besoin de mon accord en tant que pasteur. Il a besoin de lui-même, Dieu, Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je veux parler du succès selon Dieu. Amen. Pas le succès selon les hommes. Parce qu'il y a deux types de succès. Et le succès selon les hommes et le succès selon Dieu. Et nous allons parler du succès selon Dieu. Et je veux une dame forte qui sait bien lire. Tu prends Jésus 1:8. La bonne version que j'aime. Jésus 1:8, qui a trouvé? Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Jour et nuit. Jour et nuit. Attends. Dieu n'a pas dit médite-le dans plusieurs années. Non, il a dit médite-le jour et nuit. Alléluia. Il dit médite ce livre jour et nuit. Parce qu'il y a des mystères du jour et des mystères de la nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement. Il a dit, pour agir fidèlement, selon les recommandations de la parole. Il n'a pas dit d'agir selon les recommandations du monde. Non, selon la parole. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès. Oh, attends. Il dit, c'est alors. Tu auras quoi? Du succès. Non, répète encore très fort. C'est alors, tu auras quoi? Du succès. Il a dit quoi? Tu auras quoi? Du succès. Wow. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà. Il dit dans quoi? Dans tes entreprises. Ici, lorsqu'il parle d'entreprise, il parle dans le sens large. Alléluia. Amen. Il voit l'entreprise par rapport à tout ce que tu vas faire ou obtenir au futur. Et c'est alors que tu réussiras. Wow. Il dit c'est alors. Non, j'aime ça. Il dit, c'est alors tu réussiras. Non, répète encore le verset là, c'est puissant. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Attends. Il dit, vous savez, le succès précède la réussite. Dis amen. Amen. Parce qu'il y a d'abord un virgule. Non. Non, dis ça. Succès. Du succès dans tes entreprises. Ensuite, il y a quoi là-bas? Virgule, non? Oui. Ah, vous savez, le virgule, ça veut dire quoi? Virgule. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Le mot virgule a fait plein de choses. Les littéraires, ils savent. Il dit virgule. Donc, le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras une réussite. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller pas à pas. Et après, nous allons vibrer dans la prédication. Dis amen. Amen. On va aller doucement. On va expliquer les choses doucement. Après, le pasteur va descendre pour vibrer dans la prédication. Dis amen. Amen. Non, dis amen. Amen. Voyez-vous, j'ai cherché dans les dictionnaires Robert.
Le succès, ça veut dire quoi? J'ai regardé, le succès, c'est une vie heureuse. Le succès, ça peut aussi dire une réussite. Le succès, ça peut aussi dire l'approbation du public. Amen. Dis amen. Amen, amen. L'approbation de qui? Du public. Alléluia. Et pour vous aider à comprendre ce terme, je vous parlerai de quatre clés. Et la première clé, c'est la clé de l'intimité avec Dieu. Amen. Oh, je voulais entendre un amen. Amen. Et la deuxième clé, c'est la stratégie pour conquérir. Amen. Dis amen. Amen. Et la troisième et la quatrième clé, c'est la rigueur et l'intégrité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à des lions et des lions dans cet endroit? Amen, amen. Vous savez, tu peux avoir du succès, mais en réalité, tu as raté ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Non, vous n'avez pas compris, après un amen. Amen. Tu peux avoir du succès, mais en réalité, tu n'as pas gagné ta vie. Parce que tout à l'heure, on dit le succès, c'est l'approbation du public. Quelqu'un dit amen. Amen. Écoutez, le succès, là, selon le dictionnaire, c'est l'approbation du public. Mm-hmm. Ça veut dire que pasteur, je peux fabriquer mon propre succès. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais ce n'est pas le succès de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai. Donc, il y a deux types de succès. Il y a le succès du monde et le succès, ce qu'on appelle surnaturel. Alléluia. Le succès dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Et je veux commencer mon message. Vous savez, lorsqu'on parle du succès, c'est le domaine de l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a inspiré pour annoncer la première clé. Pour avoir le succès, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que l'intimité avec Dieu, je vous dis la vérité, c'est la porte du succès. Alléluia. Si Dieu a prévu, vous savez, Dieu a préparé des différents succès dans la vie de plusieurs personnes. Mais le problème est que ces personnes, ils n'avaient pas une vie d'intimité avec Jésus. Ils n'avaient pas une vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus. Ça va, des succès éphémères. Il y a des succès qui perdurent. Alléluia. Il y a des succès en fait qui rentrent dans ce qu'on appelle succéder. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le succès de succéder. Il y a des succès où tu es en fait le succès du monde. On parle de toi. Tu fais plein de choses. Mais en réalité, tu n'as même pas gagné. J'ai le cœur de Jésus. Amen. Mais des gens de succès, je vous dis, l'église, ça s'arrête sur le chemin. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Ça s'arrête donc sur le chemin. Nous allons prendre le livre d'un homme que j'aime, que j'admire. Il s'appelle Daniel. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que je lis son histoire, et Dieu m'enseigne, et Dieu me dit, si tu es bien disposé pour avoir une vue de succès, cela ne dépend pas d'un pays. Amen. Cela ne dépend pas d'une gouvernance. Amen. Et cela ne dépend pas d'une nation ou un territoire. Amen. Et quelles que soient les lois, quelles que soient les lois de cette nation, cela dépend de Jésus. Amen. Dis amen. Tu vas prendre Daniel 1, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Daniel. Et je vous annonce la première clé, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Tu peux continuer. Daniel 1, 1 en 8. Daniel 1 à 8, je lis la parole du Seigneur. Suivez très bien la parole. La troisième année du règne de Josaphat. Wow. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pardon, marcha contre Jérusalem. Roi de qui? Babylone. Vous savez, lorsqu'on parle de Babylone, qui connaît Babylone?
Et quand tu fais des recherches bibliques, tu vois comment que le Babylone, en deux termes, c'était une ville maudite. Une ville là où il y avait des abominations. Alléluia. Une ville là où il y avait tout était permis, de perversion sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer. C'était là-bas. Le Seigneur livra entre ses mains Josiakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël. Écoute-moi, il parle de quelques quoi? Quelques enfants d'Israël. Quelques enfants d'Israël. De race royale. De race royale. Dis avec moi, race royale. Race royale. Vous savez, race royale, c'est la race supérieure. Ou de familles nobles. Les familles nobles, waouh. Mais ça, l'Église, quand tu lis la parole, vis la parole. Amen. Quand tu lis la parole, vis la parole. Amen. Quand tu lis la parole, sois dans l'histoire de la parole. Amen. Et quand tu lis la parole, exprime-toi de la parole. Et quand tu lis la parole, l'Église, imagine-toi, c'est une réalité. Amen. Car la parole est esprit et vie. Amen, amen. Les jeunes garçons sont des faux corporels, bons de figure, j'ai doués de sagesse et d'intelligence. Yeah. Il est de 4 enfants, doté de l'intelligence et de la sagesse. Et aspect physique beau. D'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Amen. Arrête-toi. Ils étaient capables de servir dans le palais du roi. Vous savez, quand un président prend le pouvoir, le but du président, c'est de chercher un bon boulanger pour lui faire du pain. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire qu'un bon couturier pour lui faire des costumes. Alléluia. Il ne prend pas n'importe qui. Mais on constate quelque chose de fort. Et les 4 enfants d'Israël, 4. La Bible n'a pas dit 5, elle dit 4. Ils se retrouvent au palais. Et à qui l'on Amen. Vous voyez, je vous fais vivre la parole. C'est-à-dire que ces personnes-là, le roi Nebuchadnezzar avait un projet pour eux. L'Église, vous devez comprendre une chose. Quand bien même que c'est une réalité, même dans le monde politique, quand le président de la République veut te prendre, il va d'abord te contrôler. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu dois faire ce que lui il veut, Amen. Pas ce que toi tu veux. Parce que c'est un domaine de l'esprit. Alléluia. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Ben-Chassa, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azar, celui d'Abednego. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mains du roi, et par le vin. Arrête la femme, femme, et je sentais ma voix de présence. Voyez-vous, il s'agit de Daniel. Et la Bible me parle de Daniel. Et la Bible dit Daniel, c'était un homme qui devait, que Dieu avait prédestiné pour travailler dans le palais royal. Que Dieu avait destiné pour vivre dans le succès. Mais nous devons comprendre ce matin que Dieu, lorsque Dieu envoie Daniel, est dans le palais de Nebuchadnezzar, est un roi de Babylone. Et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que. Oh my God, la Bible nous dit que Daniel ne pouvait pas exercer son pourtant soit coutumier par rapport aux affaires du roi. Mais la Bible me dit quoi? La Bible dit ceci. Vous devez comprendre que lorsqu'on lit l'histoire de Daniel,
Nous devons comprendre une chose, que Daniel n'a pas voulu se souiller. Daniel n'a pas voulu se souiller son âme, son esprit et son corps au service du roi. Quelqu'un dit amen. Et Daniel n'a pas voulu se souiller. Et je vous dis, l'église, cela a coûté cher à Daniel. Mais la seule chose, vous allez lire, qui a aidé Daniel, c'est l'intimité avec son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai intitulé la première clé. La première clé, la première. Pas la deuxième, mais la première clé. Pour rentrer. Oh my God. Pour rentrer dans quoi? Intimité. Non. Dans le succès. Alléluia. Pour rentrer dans le succès. Écoutez, l'église, il y a une différence entre le succès du monde et le succès spirituel. Voyez-vous, comme je disais tout à l'heure, le succès du monde, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais le succès de Dieu n'arrêtera jamais. Alléluia. Ça ne pourra jamais arrêter. Si et seulement si, si tu vis en intimité avec Dieu. Et l'exemple papa, c'est celui de Daniel. Daniel n'a pas voulu se souiller. Amen. Il n'a pas voulu. Mais en réalité, si Dieu n'était pas avec Daniel, on devait même le tuer. Vous allez lire le livre de Daniel, vous allez comprendre l'histoire. Mais la seule chose qui a aidé Daniel, c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est l'intimité avec qui? Dieu. C'est l'intimité avec qui? Dieu. Pas avec le diable. Alléluia. Parce qu'il y a succès et succès. Vous savez, il y a aussi des gens du monde, ils ont du succès. Alléluia. Même notre pasteur aussi a des succès, mais des succès fabriqués. Amen. Celui qui a beaucoup de succès, il est capable de tuer l'autre pour le succès. Celui qui aime le succès, il est capable de vendre son âme pour le succès. Mais le succès de Dieu, je vous dis la vérité, on ne cherche pas. Mais il y a un déclenchement dans le surnaturel qui arrive. Et un processus pour t'amener dans le succès. Alléluia. Donc je parle à une femme ce matin, ne cherche pas le succès du monde. Laisse Dieu fabriquer ton propre succès. Laisse Dieu t'amener dans les lieux élevés. Malgré les oppositions de Daniel, il était appelé à entrer dans le succès. Le premier signe qui a mené Daniel dans le succès, c'était l'interprétation des rêves. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même ton ennemi, même s'il ne vient pas, mais s'il voit en toi une capacité surnaturelle de l'intelligence, il a besoin de collaborer avec toi. Dis amen. Amen. Ou même la politique, non. Mais c'est notre travail de chercher dans les opposants pour soutenir la politique de son gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est intelligent. Alléluia. L'intelligence vient de qui? De Dieu. Et développe l'activité avec Dieu. Tu n'as aucune porte qui te sera résistée. Développe l'activité avec Dieu. Aucune porte qui te sera résistée. Et quand il est question de rentrer dans le lien élevé, vous êtes dans le lien élevé avec Dieu, c'est un temps de rétablissement et de positionnement. Amen. Et quand je parle de rétablissement, même que tu étais maudite, mais quand tu as l'accord de Jésus pour rentrer dans le succès, je vous dis la vérité, l'église. Là où il y avait un non, il y aura un oui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne sont pas de race royale. Il ne sont pas que Daniel avait un esprit royal. Et la Bible nous fait comprendre que Daniel avait l'esprit de Dieu vivant d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu nous appelle pour vivre dans le succès.
Et la Bible dit dans Josué 1:8 que le livre de la loi médite-le jour et nuit. Alléluia. Amen. Que tu auras du succès vaincu, c'est alors que tu réussiras. Merci. Alléluia. Ça ne sert à rien d'avoir du succès du monde lorsqu'on voit ta vie à rien. Tu connais le succès. Uh-huh. Alléluia. Amen. En regard, il n'y a rien. Plusieurs personnes veulent du succès. Ici, le star c'est qui? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le star c'est qui? C'est Jésus. Et la première clé, c'est l'intimité. Comment développer l'intimité avec Dieu? Et tu développes l'intimité en cherchant Dieu. Alléluia. Afin d'avoir le succès et la réussite. Comme Dieu avait dit à Jésus, assistant de Moïse. Une personne. Pour Daniel 1, du verset 8 à 17. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel le dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Les tendons et les vins qui leur étaient destinés et qui leur donnaient des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Acclame Jésus pour la parole. Je vais relire encore. Daniel 2, du verset 12. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Lisez la parole, vous allez comprendre. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Alléluia. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. Et la sentence. Je vois pas bien. À partir du verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Mmh. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Archoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Alléluia, attends. Vous savez, l'église, on parle du succès. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu t'a appelé à avoir une vie de succès,
Parce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour avoir une vie de succès. Vous allez comprendre que l'ennemi ne te laissera pas. Alléluia. L'ennemi cherchera des voies et moyens pour détruire afin que tu ne rentres pas dans le succès. Alléluia. Tu vois moi très bien. Mais si tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu, et ta grâce sera volée par l'ennemi. Alléluia. D'où la raison de chercher Dieu et de vivre et de méditer sa parole jour et nuit. Et c'est alors que tu rentreras dans le succès et tu réussiras. Verset 15. Il prit la parole et dit à Arjot, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjot exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner l'explication. Attends, là ça c'est bien ça. Vous voyez, Daniel est allé voir le roi, il demande au roi de lui laisser le temps. Alléluia. Continue. Ah, ça y est, ça c'est un point fort. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Alléluia. Voyez-vous? Non, dis pas d'abord amen parce que nous sommes. Amen. Voyez-vous? Daniel se retira. En lisant la parole, vous allez comprendre que Daniel s'est retiré pour aller chercher la pensée divine. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je vous annonce le deuxième clé, c'est la stratégie de Daniel pour conquérir la royauté. Alléluia. Amen. Pour conquérir le palais royal. Dis amen. 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 Et la stratégie de Daniel pour conquérir, c'était une stratégie dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et Daniel s'est retiré avec ses compagnons dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu, amen, pour converser avec Dieu, afin que Dieu puisse nous révéler le rêve de Nebuchadnezzar. C'est trop fort. Nebuchadnezzar. Yeah. Oui. Arrête dans la femme. Vous devez comprendre la deuxième clé, c'est la stratégie pour conquérir. Amen. Écoutez-moi l'église. Si bien conquérir que Dieu t'appelle dans le succès, t'as besoin d'une stratégie. Alléluia. Amen. T'as besoin d'une stratégie pour conquérir ton succès. Alléluia. Parce que ton succès sera convoité. Parce que ton succès sera empêché. Mais tu as besoin, l'église, de rentrer dans la stratégie de la prière. Alléluia. Il n'y a pas une autre stratégie. C'est le domaine de la prière qui ouvre le chemin. Alléluia. Et la Bible nous dit, Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu veux avoir la vie dans le succès, tu as besoin de rétablir Jésus en toi. Tu as besoin de repositionner Jésus en toi. Tu as besoin de positionner Christ en toi. Car la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et ça veut dire à une femme, particulièrement une femme, écoute-moi très bien, et cette année, c'est une année de succès pour toi. Alléluia. Alors que tu n'es en train de le voir même pas, c'est amen, une année du succès. Et dis l'Esprit de Dieu, amen, dans cette orangée-là, dis-le, Dieu me dit, une femme, et cette année, c'est une année du succès. Amen. Car ton succès ne dépend pas d'un homme. Alléluia. Car ton succès ne dépend pas d'une organisation satanique diabolique. Amen. Et ton succès dépend de Jésus. Amen. Écoute-moi, femme, je t'appelle ce matin de développer l'intimité avec Christ. Alléluia. Et à cela, tu feras des exploits. Car ton succès est tellement grand. C'est la raison pour laquelle tu ne dors pas. C'est la raison pour laquelle il y a le mauvais rêve. C'est la raison pour laquelle les portes sont fermées. Les portes sont bloquées. Mais ce matin, repositionne Jésus dans ton cœur. Et tu verras une porte s'ouvrir. Et tu verras une porte s'ouvrir. Amen. C'est le temps d'élévation. C'est le temps de lieu s'élever. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça va l'église. Lorsqu'on parle de lieu s'élever, c'est le domaine de Jésus. Le lien s'est élevé, c'est pas le demain du monde. Je ne veux pas de toi. Que les gens te bloquent dans toutes les formes. Mais Jésus est un mot. Et 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 Jésus est un mot. Oh!
Voici le mot de Jésus. Lorsque Daniel, par rapport à son intimité avec Jésus, par rapport à son intégrité avec Jésus, par rapport à sa rigueur, là je vous annonce, le troisième clé et la quatrième, et juste Daniel est maintenant Dieu dans toutes ses pensées et même dans toute sa manière d'être. Il voulait pas s'essuyer parce qu'il savait. Il savait et sa gloire avec Dieu devait tellement grand. Il ne voulait pas prendre des miettes. Il ne voulait pas prendre des miettes. Il ne voulait pas perdre l'esprit de Dieu. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Ne prends pas des miettes. Cherche Jésus. Amen. Et tu verras Amen. La gloire Amen. De Jésus. Amen. Et tu verras sa gloire. Amen. Il est question d'aller dans les liens élevés. Le lien élevé, ce n'est pas les liens de tout le monde. Le lien élevé, ce n'est pas les liens de bébé. Le lien des élevés, ce n'est pas les liens des gens qui n'ont pas la connaissance. Et la Bible nous dit, et David avait la connaissance, et la connaissance, et la connaissance pour interpréter le songe, le rêve du roi, pas n'importe quel roi, le roi Nebuchadnezzar. Hey. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a besoin de toi. Une vie d'intégrité. Laisse-le vivre. La vie qui t'amène dans le problème. La vie qui t'amène dans le Jésus. Cherche Jésus de Nazareth. Et tu verras sa gloire. Car Dieu t'a appelé pour bâtir. Pour bâtir. Pour bâtir. Pour être élevé. Alléluia. Et laisse ces choses qui te ramènent vers le bas. Laisse ces choses qui te créent le problème. Laisse les choses que tu fais dans l'obscurité. Alléluia. Mais à être intègre Amen. Avec Jésus. Amen. Être intègre Amen. Avec Jésus. Et donne réellement ton cœur. Et tu donneras la gloire de Dieu. Amen. Et je sais une chose. Et mon Dieu ne m'en point. Et ce qu'il dit. Et sa main est derrière pour l'accomplir. Il a dit à Josué. Et c'est le livre de la loi. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors je te donnerai un canon. Et la Bible dit. Et moi, Josué est parti à Cana. Et Josué a suicidé Moïse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était un homme d'esprit. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Sois un homme d'esprit. Sois un homme d'esprit. Amen, amen. Sois une femme d'esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à des femmes? Amen. Est-ce que je parle à des hommes? Si je parle à un homme, lève-toi et acclame Jésus. Oui, acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous savez l'Église, même si les hommes ne t'aiment pas, même si c'est pour ça qu'ils ne nous t'aiment pas, mais il y a un secret dans l'intimité avec Dieu. Il y a un secret dans la relation avec Dieu. Il y a un secret dans le corps à corps avec Dieu. C'est tout se passe là. C'est à cela que tu verras Dieu agir. C'est à cela que tu verras Nebuchadnezzar. Et il va reconnaître la main de Dieu sur toi. Je suis en train de parler à un homme. Que Dieu du roi d'Israël, que Nebuchadnezzar sur ton chemin, il reconnaîtra l'intelligence que Dieu a donnée en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus. Oui, acclame-le. Il est question de comprendre le processus du déclenchement. Le processus du déclenchement. Je suis en train de dire le processus du déclenchement pour entrer dans le palais de Nebuchadnezzar. Quand je parle de Nebuchadnezzar, je parle des personnes qui te bloquent. Quand je parle de Nebuchadnezzar, je parle de la sorcellerie. Et quand je parle de Nebuchadnezzar, je parle des portes qui sont fermées. Écoute-moi très bien, l'Église. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le compromis. Tu as besoin seulement de chercher Dieu Amen. Afin de rentrer dans le succès. Amen. Car le succès, Amen. C'est notre partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le succès, c'est notre partage. Jésus veut que nous soyons l'imitateur et le lettre de Christ. Lorsqu'on parle de lettre de Christ, Amen. On parle d'une personne qui marche comme Jésus. On Amen. Parle d'une personne qui marche comme Jésus. Alléluia. Qui voit les choses comme Jésus. Pas comme le monde. Le monde a ses problèmes. Le monde est en désaccord avec le royaume de Dieu. Et Jésus dit, celui qui me connaît, celui qui me cherche réellement, celui qui me cherche, il est réellement mon fils. Il y a une différence entre un enfant et un fils.
Lorsqu'on parle d'un fils, on parle de quelqu'un qu'on va léguer quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes des personnes que Jésus a laissé un testament. Le testament est là. Le testament, il nous attend. Il est question d'aller chez le notaire. Pas n'importe quel notaire. Le notaire du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui le vrai notaire. Et c'est lui le Saint-Esprit qui va nous diriger, qui va donner un accord afin que tu puisses récupérer tes biens. Tu as tellement de biens, tu as tellement d'héritage, tu as tellement de dons, tu as tellement de plein, beaucoup de choses que Dieu a préservé et que Dieu a promis derrière toi. Mais tu n'es pas dans la révélation. Lève-toi, rétablis-toi, positionne-toi, repositionne-toi et tu verras le succès. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as essayé avec tes propres forces. Tu ne trouves pas de réponse. Tu as essayé avec tes propres forces. Il n'y a pas de réponse. Avec tes calculs, il n'y a pas de réponse. Avec des choses de mafia, il n'y a pas de réponse. Avec des choses magouillées, il n'y a pas de réponse. Il y a une grande réponse qui vient du ciel. Une réponse qui vient du ciel. Et la Bible dit, et Daniel dans la fournaise, et Daniel est dans la fournaise, et les anges étaient avec lui. Amen. Et les anges étaient avec lui. Je suis en train de dire, dans le moment de lamentation, Dieu te déposera un ange pour toi. Amen. Un ange qui sera capable pour ouvrir une porte pour toi. Un ange qui sera capable pour ouvrir une porte. Il s'appelle Jésus. Oh, il ne peut pas être changé. Il demeure le même. Écoute-moi l'église. Ne pas plus seul. Ne pas plus seul. Mets Jésus devant. Mets Jésus devant. Et tu verras sa grâce. Et tu verras sa puissance. Et tu verras sa puissance. Parce que ce qu'il a dit. Et sa main est derrière pour l'accomplir. Écoute-moi. À quoi tu? Qu'est-ce que tu cherches? Des papiers, de l'argent, le mariage et la maison. Et la Bible me dit. Et la Bible m'enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Jésus. Si l'or et l'argent appartiennent à Jésus, ça veut dire par bénédiction que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu regardes le livre de Daniel, et la Bible me parle que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lorsque Daniel est dans le temps défavorable, dans le temps des soucis, dans le temps d'incompréhension avec le palais royal, mais la Bible me dit, Daniel n'est pas les anges chercher la réalité des hommes, la réalité du monde. Daniel s'est retiré dans la prière, dans la prière, dans la prière pour chercher Dieu. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, la prière, la prière, la prière des justes, pas la prière des voyous, la prière des justes a une grande efficacité, la prière des justes a une grande importance dans le royaume, dans le haut. La prière des justes a une grande efficacité. Car Jésus veut t'amener dans une autre dimension. Une dimension de croissance. Une dimension de rétabli. Une dimension de possession. Une dimension de prééminence. Une dimension de la prédominance. Dieu nous a tout donné. Parce qu'il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Acclame Jésus. Notre Jésus, amène-moi vers toi. Notre Jésus, il est Dieu. Écoute-moi très bien. Tu as un parcours à faire. Tu as un parcours avec Jésus. Tu as des batailles à conquérir. Tu as besoin d'une stratégie. Alléluia. La première clé, c'est la clé de l'intimité. La deuxième clé, c'est la stratégie pour conquérir. Alléluia. Quand tu cherches à conquérir, excusez-moi. Vous savez, c'est quoi la stratégie? Chaque jour, tous les jours, nous faisons des stratégies pour chaque chose. On se rend pas compte, c'est ça une stratégie. Quand même tu vas acheter une voiture, c'est une stratégie que tu mettras en place pour récolter des fonds, pour pouvoir acheter une voiture. Donc dans chaque chose, il y a la stratégie. Il est question d'avoir la bonne stratégie, pas la stratégie du monde. La stratégie de Dieu du nom d'Israël. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Donc, Daniel, il était conscient qu'il était une personne supérieure. Quand la Bible déclare, il avait un esprit supérieur. Et un esprit supérieur, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia.
Mais écoutez très bien. Lorsque Daniel était là, lorsque Daniel était dans le palais du roi, il y avait la prédestination pour lui. Mais vous devez comprendre une chose, et j'insiste, et je réinsiste. Quand les chrétiens, par manque de la connaissance, par manque de recherche biblique, et l'église se perd. Mais il est question en réalité d'avoir des stratégies pour conquérir son succès. Alléluia. Alléluia. Et les stratégies, c'est dans la Bible. Quand Dieu dit à Josué, quand c'est livre de la loi, mais dites-le, qui peut m'aider à citer ça? Qui peut m'aider à citer ça? Qui peut m'aider à citer ça? Oh. Le livre de la loi. Non, on écoute la session. Le livre de la loi. Je ne sais pas comment tu lis la Bible. Je veux dire la vérité. Le Christ a tout donné. Change ta manière de lire la Bible. Lis la Bible en esprit. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, comprends-toi que c'est une réalité. Comprends réellement que ce sont des histoires passées. Amen. Alléluia. Amen. Des histoires passées qui sont réelles. Et l'enfer est réel. Amen. Et la bénédiction est réelle. La malédiction est réelle. Et la croissance est réelle. Ce sont des choses vraies et irrévocables. Car Dieu est réel. Je vous dis la vérité. Alors, quand tu prends la parole, sois en esprit, médite la parole. Quand lorsque Dieu dit, je pourvois à tes besoins, selon l'immensité de ma grandeur, afin que tu rentres dans le succès, et tu prends la parole, tu appropries la parole, et tu rentres en intimité avec Dieu, et tu rappelles à Dieu. Tu dis à Dieu, ta parole dit que Dieu, tu pourvois à mes besoins, selon l'immensité de ta grandeur. Et la Bible me dit, et la parole de Dieu dit, ce n'est même pas moi. Moi aujourd'hui, je peux prendre la parole et annoncer la parole. Et je suis dégagé de toute responsabilité. Amen. C'est la parole de Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est ma foi qui va travailler. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, il faut que ta foi change de forme. Amen. Que ta foi change de forme. Et tu Amen. Verras Dieu agir. Alléluia. Amen. Il faut que ta foi change de forme. Bannis la foi stérile. Amen. Bannis la foi stérile. Et ta foi doit augmenter l'accélération. Non, j'ai pas entendu un amen. Amen. Nous sommes dans l'année de l'accélération. Amen. Donc, ta foi d'avoir une portion de l'accélération. Pas n'importe quelle accélération, l'accélération de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Acclame Jésus. Daniel 1, à partir du verset 20. Laisse-moi devant. Vous savez l'église. Là, la Bible dit, il y avait des astrologues en Babylone. Il y avait des magiciens dotés de la puissance satanique et diabolique pour pouvoir interpréter les rêves de Nebuchadnezzar. Mais lorsque le roi Nebuchadnezzar, après avoir observé tout ce monde-là, il reconnaît dans son esprit que Daniel avait un esprit supérieur. Amen. Alléluia. J'en veux dire à quelqu'un, avec l'esprit supérieur, tes portes seront grandement ouvertes. Dis amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Avec l'esprit supérieur, amen, amen, amen. Les portes te seront grandement ouvertes. Alléluia. Amen. Ça veut dire, dans le domaine de l'esprit, il n'y a plus la chair. C'est l'esprit qui parle. Amen. Alléluia. Dans le domaine de l'esprit, c'est plus la chair. C'est l'esprit qui parle. Lorsque dans le domaine de l'esprit, on reconnaît que tu es un esprit supérieur, le diable s'éteint. Alléluia. Le diable s'éteint. Il se calme. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Développe la croissance de l'esprit de Dieu en toi. Que ta chair s'éteigne, que l'esprit prend le dessus. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen, amen. Daniel 6.
fort. Écoutez très bien. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Amen. Et le roi à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Attends, cherchez quoi? Une occasion. Dis bien. Cherchez quoi? Une occasion. Tu vas l'histoire. Hein? D'accuser Daniel. D'accuser qui? D'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute. Ni rien oui. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. La loi de qui? De son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se retirent. La loi, il y a un nom. Le nom de Mendès et de Perse. Parce qu'il y a une révélation derrière. Bon, on y va. C'est une autre version. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Amen, amen. Merci. Vous avez commencé à les lire à la maison. Il est question ici, non, lève-toi avec moi. Il est question de comprendre, toujours dans le but de détruire la vie de Daniel. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui sont prédisposées à rentrer dans le succès. Et l'ennemi, comme je disais tantôt, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Mais la seule chose qui pourra t'aider, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, une autre forme d'accusation. Et la Bible dit que l'ennemi a su. Vous devez comprendre, lorsque Jésus est venu sur la terre, le roi Hérode s'est su que quelqu'un est arrivé, que Jésus est arrivé. Alléluia. Il a envoyé des gens pour aller adorer le petit bébé. Là, il était question aussi également de détruire Daniel. Parce que Daniel devait rétablir le royaume de Babylone. Alléluia. Donc, lorsqu'on regarde l'histoire, on constate qu'ils ont cherché dans tous les moyens afin que Daniel puisse adorer leur Dieu. Afin que Daniel puisse être suivi. Alléluia. Et ils ont cherché dans toutes les formes pour chercher des défauts. Ils n'ont pas trouvé. J'en veux dire à quelqu'un, vous savez l'église, il y a plusieurs personnes qui sont prédisposées pour avoir le succès. Il y a des choses du monde qui les ramènent vers le bas. Alléluia. Leurs défauts les ramènent vers le bas. Au jour actuel, vous en venez d'entendre des chanteurs partout qui ont l'onction de Dieu. Mais les chants du monde les ramènent vers le bas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Si tu sais réellement que tu as une vie pour Dieu, tu as une vie pour impacter, sois ton témoignage, sois quelqu'un de vrai, sois quelqu'un d'intègre, sois quelqu'un de rigoureux. Alléluia. Ce sont des choses qui vont t'aider pour aller, pour percer. Parce que le diable cherchera toujours un moyen pour t'accuser, un moyen pour te détruire, un moyen pour t'exposer. Voici le cas de Daniel. La Bible dit quoi? Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Jusqu'au point où il fallait qu'ils aillent voir le roi avant qu'ils puissent mettre un décret. Un décret pour attraper Daniel. Malgré ce décret, Daniel n'a pas laissé. Lorsque vous lisez la parole jusqu'à la fin, vous allez voir, il était réellement élevé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux être réellement élevé. Et tu as besoin d'être comme Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand le succès arrive,
Il y aura des gens qui seront contre ton succès. Amen. Il y aura des vieux dossiers qui vont sortir. Amen. Est-ce que vous le lisez? Moi, j'intéresse un peu à la politique. Amen. Les candidats potentiels à la mairie de Paris, Griveaux, ils ont sorti les dossiers. Donc lui-même, il s'est disqualifié. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu t'amène loin. Dieu a des choses pour faire avec toi. Mais arrange-toi. Amen. Alléluia. Amen. Arrange-toi. Arrange-toi. Arrange-toi à l'église. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Combien même qu'il y avait d'autres personnes dans le palais royal de Nebuchadnezzar qui étaient en train de suer leurs mains. Daniel a refusé. Amen. Sois comme Daniel. Amen, amen. Dans le malheur, sois comme Daniel. Pas de compromis. Comme Daniel. Et tu verras la grâce de Dieu. Et tu verras l'accélération divine. Amen. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Le succès est un prix. Le succès est un prix, l'église. Les gens d'esprit, ils ont compris ça. Le succès est un prix. Quelqu'un a beaucoup d'argent, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Car le succès est un prix. Et tu ne connais pas d'où vient son argent. Alléluia. Le succès est un prix, je vous dis la vérité. Je vous rappelle, le succès, yeah, le succès est un prix. Est-ce qu'on se comprend? Le succès ne vient pas comme ça. Le succès est un prix. Alléluia. Et quand, lorsqu'on voit des gens dans le monde, ils ont un succès, il faut poser la question, d'où vient ce succès? Alléluia. D'où vient ce succès? As-tu posé une question? Tu n'es pas en crise. Dis-le ce succès. De dire un mot que tout le monde entend. D'où vient cette capacité-là? Cette onction. Alléluia. Amen. Donc le succès est un prix. Le prix dans la consécration. Amen. Si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas un autre prix. Un prix de la consécration. Un prix rigoureux. Le prix pour le respect de Jésus. Amen. Le prix pour prier. Il faut payer le prix. Le prix pour jeûner. C'est pas facile. Hein? Faut jeûner. C'est un prix à payer. Faut se lever à 4 heures du matin pour lire la Bible. C'est un prix à payer. Mais les gens du monde. Et aussi, ils prient là. Et aussi, ils paient le prix. Ils font des sacrifices. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça ce matin. Et ils font des sacrifices de plusieurs manières. Des sacrifices horribles. Et je vous dis la vérité. Excusez-moi. Je voulais vous dire, je connais un homme dans mon pays. Et c'est un milliardaire jusqu'à aujourd'hui. Mais son seul sacrifice, c'était tous les jours. C'est de s'accoupler avec une folle. Alléluia. Donc elle avait connu toutes les folles de Pointe-Noire. Donc elle avait repéré. Et même le folle avec elle, on voyait, il savait que non, le mec est en train d'arriver avec sa 4x4. C'est le prix à payer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un succès sans prix. Non, il n'y a pas un succès sans prix. Et Christ a payé le prix sur la croix. Alléluia. Amen. Pour notre succès. Il est mort. Il s'est livré sur la croix. Publiquement. Pour toi. Afin que tu rentres le succès. Alléluia. Amen. Et paye le prix ce matin. Alléluia. Et change ta manière de voir. Mm-hmm. Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. On acclame Jésus très fort. Alléluia. On peut se lever. Dans le lieu zéro.
Daniel. Il a accompagné Daniel dans les lieux élevés. Il a accompagné Daniel dans les lieux élevés. Chante. Oui, chante. Tu me tiens la main. Tu m'accompagnes dans les lieux. L'Esprit de Dieu est en train d'arriver. Tu ne vas pas
Jésus. Par le nom de Jésus, le premier signe que je t'annonce, que tu vois au-dedans de toi, n'est plus qu'un manque. Le pied chauffe, le pied chauffe. Par le nom de Jésus, oui, oui, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oui, la délivrance arrive. 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 Reçois. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Ce matin. Là, pas tout le monde ici là. Ma compagne dans le lieu élevé, là, cet endroit. Pour moi, tu me tiens la main. Tu m'accompagnes dans le lieu élevé. Tu es pour moi. Tu me tiens la main. Tu Tu es mon roi, elle regarde dans les yeux, tiens la main.
personne. Dans les lieux élevés, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu me tiens la main. Oh Seigneur, tu me combats. Dans les lieux élevés, tu es mon roi. 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 Yeah.
quelque chose de fort que Dieu est en train de faire dans vos vies. Alors que je suis en train de parler, oh my God, et quelle présence de l'Esprit. Et j'aime Jésus parce qu'il parle. Et j'aime Jésus parce qu'il donne des directions. Et écoute-moi, je vois des nuées. Et je vois des nuées en esprit. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes. Là où ça a été fermé. Là où ça a été fermé. Et alors que je suis en train de parler, une gloire arrive. Une gloire de Jésus. Oh femme. Recevez la gloire. Recevez la puissance. Et soyez consolés ce matin. Soyez consolés par l'Esprit de Dieu vivant d'Israël. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie de Séraphine. Merci Seigneur pour la vie de Elsa. Pour la vie de Elsa. Pour la vie de Elsa. Et le succès, c'est ton partage. Le succès, Elsa, c'est ton partage. Par le nom de Jésus. Alors, établis, rentre dans le rétablissement. Positionne-toi et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, Père. Parce que Dieu est Dieu. Père, qu'elle reçoit la gloire maintenant. Par le nom de Jésus. Qu'elle reçoit l'autorité. Qu'elle reçoit la prééminence. Seigneur, merci pour le succès. Il sera son partage. Par le nom de Jésus. Oh Père éternel de gloire. Et toute chose qui n'est pas de toi. Tout esprit de retard. Seigneur, oh Dieu. Qu'elle soit brisée. Par le nom de Jésus. Je vois l'esprit de retard. Et je vois cet esprit de retard. Qui enchaîné ta destinée. Maintenant, ce matin. Par le nom de Jésus. Et toi mental. Et toi mental. Qui es-tu devant Zerubbabel. Toi mental. Libère par le nom de Jésus. Libère-la par le nom de Jésus. Elle mariera maintenant par le nom de Jésus. Elle mariera. Elle rentre dans le succès du mariage. Elle rentre dans le succès du mariage. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Reçois la gloire. Et reçois la gloire, my God. Reçois la délivrance. Reçois maintenant. Reçois. Le célibat est bloqué. Le célibat est débloqué par le nom de Jésus. Autant pour moi, le célibat est débloqué par le nom de Jésus. Reçois maintenant sa grâce. Reçois sa grâce. Merci Jésus pour sa vie. Seigneur, tiens-la la main. Père, elle est fatiguée, elle est faible en esprit. Père, je déclare maintenant, et son esprit, c'est la main. Dieu.
est favorable et Dieu est favorable pour ouvrir les églises des cieux pour vous. Le temps est favorable pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Vous allez voir sa gloire. Vous allez voir sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et cette année, c'est votre année. Ne pleure plus fort. Ne sois pas sous ce homme. Et tu verras Dieu agir. Car cette année, c'est une année. C'est une année du succès dans votre foyer. Les portes seront grandement ouvertes. Les portes seront grandement ouvertes. Vous allez vivre des temps riches pour Dieu. Soyez bénis par le nom de Jésus. Merci. On peut s'asseoir. Wow. Tu m'accompagnes dans les lieux élevés. Wow. On acclame Jésus pour ça. Dieu va nous accompagner dans les lieux élevés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia! Amen, amen, amen! Est-ce qu'on va encore acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Le succès selon Dieu! Et ça, le succès devant Dieu! Alléluia! Que le Seigneur soit glorifié. Alors que nous avons entendu la parole, nous allons dire merci au Seigneur par nos offrandes, nos dîmes, les actions de grâce. Tout ce que l'Éternel, Dieu, nous a mis à cœur, nous allons le faire ce matin. Le Seigneur t'emmène dans les lieux élevés. Tu es comme un diamant qui est en train d'être poli. Amen. Et le Seigneur est en train de te modeler. Et par sa grâce, sois quelqu'un de patient. Sois quelqu'un de patient, quelqu'un de persévérant. Et tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu es toujours énervé? Amen. Ton énervement a diminué. Le mois de février, nous sommes le 16 février, nous sommes encore à la moitié. Il reste 2 semaines de colère. Si tu n'es pas énervé pendant ce mois, je ne sais pas ce qui va arriver au mois de mars. Il faut t'énerver. Les clés ont été données, saisis-les et parle. Et peut-être que tu as déjà commencé à les mettre en pratique. Commencez à les mettre en pratique. Si c'est le cas et que tu vois que tu n'es pas rentré dans le succès, énerve-toi. Au nom de Jésus-Christ, dis un amen franc. Amen. Un amen guerrier. Amen. Tu es un guerrier et une guerrière. Tu dois faire peur à l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te prend la main et te conduit dans les lieux élevés. Mais toi, si tu traînes des pas, rien ne va se passer. Sois connecté. Amen, amen, amen. Le mois de février, replacez Dieu au centre de nos vies. Le succès selon Dieu, c'est pas selon les hommes, selon le monde, mais selon Dieu. Et quand Dieu te donne le succès, personne ne peut arrêter. Si Dieu est pour toi, qui est contre toi? Qui pourra être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui pourra? Personne. Personne. Même celui qui t'a enfanté terrestrement. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Ne donne plus de la valeur aux sorciers, aux francs-maçons, aux je ne sais pas quoi. Oui, c'est en France, c'est ceci, cela. Non! Aie confiance en la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. L'homme de Dieu a prêché le succès selon Dieu. Saisis les armes. Et à partir de ce soir, à l'attaque. Amen, amen, amen. À l'attaque encore. Il n'y a pas de pause. En week-end ou pas en week-end, il n'y a pas de pause. J'espère pourtant que tu avais pris un temps de jeûne. Amen. Si tu ne l'as pas pris, c'est que tu as rêvé. Il faut être connecté. Ne cherche pas ce qu'on soit toujours derrière toi comme un militaire.
Amen, amen. Ne cherche pas qu'on puisse toujours te dire des choses. Toi-même, à un moment donné, il faut que tu fléchisses le genou. Il faut fléchir le genou pour aller en profondeur. Donc, sois connecté. Alléluia. Ce soir, il y aura le direct. Et le thème du direct, c'est... En fait, on est dans les conseils hein, en ce moment. Conseils pour réussir. Amen. Donc, Pasteur Desta a bien commencé. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et moi, je vais continuer. Mais là, je vais maintenant vous parler de qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir. Ah, on va parler de ça ce soir. Parce que, bien aimé, il faut avoir toutes les armes de son côté. Toutes les armes de son côté. Sois connecté au divin. Ce sont ceux qui sont spirituels et divins qui réussissent. Pas les personnes qui sont des suiveurs et des charnels qui réussissent. Amen, amen. Amen. Sois éveillé, réveillé. Éveillé et réveillé. Amen. Si tu es éveillé et réveillé, tu seras connecté au divin. Et tu vas rentrer dans le plein succès. Regardez, revisiter, revisionner la prédication d'aujourd'hui sur l'église triomphante Le Rocher. Amen. YouTube de l'église triomphante Le Rocher. Relisez, pour ne pas être des auditeurs oubliés. Peut-être qu'il y a un mot qui t'a échappé tout à l'heure. Retourne, va encore écouter. Ça va te faire du bien et tu vas rentrer dans la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'invite la personne qui va faire les annonces et nous prierons pour la fin. Alléluia. Bonjour à tous. Y a-t-il des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Veuillez vous lever et vous présenter. Votre prénom. Vous dites juste votre prénom. Roseline. Rose. Bonjour Rose. Bienvenue. Acclamez le Seigneur pour la vie de Rose. Junior. Acclamez le Seigneur pour la vie de Junior. Cécile. Bonjour Cécile. Bienvenue. Acclamez le Seigneur pour la vie de Cécile. Bonjour monsieur. Monsieur Pierre. Ah, vos prénoms. Soyez le bienvenu. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Vous êtes au bon endroit. Vraiment au bon endroit où la parole est prêchée. Ah, pardon monsieur, veuillez m'excuser. Oui, vous appelez Henri. Bonjour Henri, soyez le bienvenu. Acclamez le Seigneur pour leur vie à tous. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes au sein de cette assemblée, Église Triomphante Le Rocher. Le pasteur principal de cette assemblée est le pasteur Kiminou. Assis ici, notre maman, vous devez l'applaudir. Et secondé par le pasteur Destin, son adjoint, qui nous a puissamment apporté la parole. Amen, la parole de vie, la parole pour réussir, la parole pour aller au succès. Je vais vous présenter la vision de l'église triomphante Le Rocher. La vision de l'église triomphante Le Rocher marche avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous réussissons. Elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour votre vie. Une discipline à cette parole, dans cette parole pour se diriger dans la vie. Et une application personnelle de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Parce que Dieu veut notre bonheur à tout un chacun. Et cette vision, elle est basée sur Jacques 4, verset 8. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Le but de l'église triomphante Le Rocher est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante. En Jésus, la parole incarnée, en Jésus qui est le rocher. En vous enseignant la parole, parce que nous avons des enseignements le mardi, en promouvant l'évangile par la prédication, comme vous avez entendu, par la louange et l'adoration, et par la délivrance. Et cela en dépit de toutes les oppositions du diable. Son but aussi, c'est de développer le service social, cellule d'écoute, aide aux plus démunis, leur redonner de l'espoir, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes, et nous nous réunissons autour de la personne de notre Seigneur Jésus.
Et nous voulons que la louange, l'adoration, la prédication, la délivrance, l'enseignement contribuent à ce que chacun de vous se rapproche de Dieu. Et cela sous l'action efficace du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire parce qu'il est le maître de tout. Amen. Je voudrais vous parler de l'organisation de la semaine. Cette assemblée a une vie la semaine. Nous avons un planning la semaine. Alors nous nous retrouvons le mardi. Nous avons des cours d'affermissement pour entrer en profondeur dans la parole, qui est de 19h à 21h. Deux mercredis par mois, il y a une réunion pour les couples qui sont toujours ici en ce lieu. Le jeudi, nous avons l'évangélisation à la place Stalingrad de 11h à 13h. Tout le monde est invité. Si vous ne travaillez pas, il ne faut pas rester à la maison. Si vous avez choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut venir proclamer l'évangile à la place Stalingrad. Rejoignez-nous, vous êtes le bienvenu. Et le vendredi, jour de jeûne et de prière de cette assemblée, de 6h à 18h. Et le soir, le vendredi, nous nous retrouvons de 19h à 21h pour intercéder puissamment. Samedi, il y a les cours de baptême de 18h à 19h30. Les personnes qui désirent recevoir le baptême par immersion, vous êtes priés de vous rapprocher du pasteur Kiminou. Et l'Ecodim, bien sûr, c'est l'école pour nos enfants le dimanche. Nos enfants sont reçus par les différents moniteurs et monitrices. Et le dimanche, bien entendu, qui est le culte de 11h à 14h. Sans aucun détour, il ne faut pas louper le culte. C'est très, très important de venir dans la présence de son Dieu pour prier et entendre la parole qu'il a. Il a toujours une parole pour notre vie. Alors, je vais vous donner quelques informations, c'est des rappels, mais peut-être pour les nouvelles personnes, c'est nouveau. Le samedi 22 février 2020, il y a réunion de tous les jeunes, les jeunes ados, jeunes adultes, horaire de 18h à 20h. Vous êtes priés d'inviter des jeunes autour de vous. Plus, même les jeunes que vous évangélisez, il faut les inviter à venir. Le samedi 22 février. Le 15 février était prévu un temps de louange, mais cela a été reporté. On vous donnera la date ultérieurement. Un séminaire est prévu du vendredi 28 février au dimanche 1er mars. Sous le thème « Comme Hulda, sois un signe pour ton époque ». Les différents intervenants, le pasteur Kiminou, le pasteur Sylvia Aoui et le pasteur Betsy Vergara. Le déroulement de ce séminaire sera comme suit. Le vendredi 28, mini-veillée de 19h à 23h. Pas de couleur imposée, mais tenue correcte. Le samedi 29 février de 17h à 20h, couleur orange et noire. Le dimanche 1er mars, ce sont les horaires du culte qui continuent ce séminaire. La couleur vous sera donnée ultérieurement. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et une très très bonne semaine avec Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Qui était content d'être là? Amen. Alors, je veux saluer des personnes spéciales qui sont venues par le biais de l'évangélisation de Stalingrad. Il y a le frère Henri. Amen. Et il y a le frère Junior. Welcome. Parce qu'il parle anglais, donc il faut s'entraîner maintenant. Amen, amen. We are very happy to have Pastor the Cult and you. Alléluia. Amen. Donc venez à Stalingrad, venez à prêcher, parce que vous n'avez pas quelle personne vous devez emmener au Seigneur qui vous attend, parce que chacun a son onction. Ne restez pas à rien faire, attendre que ça se passe, hein? Frère Ange Junior. On se comprend. Alors, samedi, je réitère parce que peut-être vous n'avez pas bien compris. Qui c'est qui est jeune ici? Vraiment, hein, jeune. Elle est jeune. Elle a dit qu'elle est... Ok, c'est chacun. C'est...
Jeune. Ok. Monsieur Pierre, vous êtes jeune. Ah, comme votre fils. Votre fils est jeune, jeune, mais vraiment. On va revoir son cas. Donc, tous les jeunes, moi aussi je suis jeune en tout cas, tous les jeunes sont conviés à venir le samedi prochain, 22 février, de, c'était quoi les horaires? De 18h à 21h, bien aimé, venez, j'ai vu les jeunes répéter, c'était extraordinaire. C'est un temps de louange et d'adoration. Donc, viens adorer le Seigneur avec les jeunes. Ce ne sera pas une réunion habituelle, parce que cette année, les réunions sont différentes. Les réunions de jeunes sont différentes. C'est une réunion de louange et adoration. Nous, on va s'asseoir là-bas au fond. Et les jeunes vont nous conduire. Et on va adorer le Seigneur. Et il y aura aussi des témoignages. Certains vont annoncer, parler de leur vie, qu'a fait qu'ils ont été transformés, qu'ils préfèrent suivre Christ et abandonner le monde. Ce sera puissant. C'est très important parce que la parole de nos envies nous invite à témoigner. Et ces jeunes vont témoigner. Ils vont venir apporter ce que Dieu a mis dans leur cœur. Donc je vous invite à venir. Si vous ne venez pas, dites à d'autres jeunes, les jeunes de votre quartier, je ne sais pas même, qu'ils viennent parce que ça sera puissant. Ça sera vraiment spirituel. C'est pas les jeunes pour parler n'importe comment, non. C'est quelque chose qui va vraiment toucher le cœur de Dieu. On va toucher le trône de Dieu au moyen de ce qu'ils vont faire. Donc je vous invite et j'invite tous ceux qui travaillent, s'ils ne travaillent pas, qu'ils viennent. Les réunions qui sont faites dans l'église au fond de le Rocher sont faites de façon appropriée. Et chaque réunion est particulière. Ne dis pas, oh, j'étais déjà le mardi, j'étais aussi le vendredi, je vais encore venir le samedi. C'est pas la même bénédiction. C'est pas la même onction. C'est pas le même travail. Hein? Quand tu manges du lundi jusqu'à dimanche, est-ce que tu dis que non, comme j'ai trop mangé, j'ai mangé le lundi, mardi, je ne veux pas manger. Si ce n'est pas le jeûne là, tu vas manger. On se connaît. Il y en a qui viennent pour jeûner. Ils te demandent, est-ce qu'on veut prendre la soupe? On a dit jeûne, mais eux, ils veulent prendre la soupe. Et ce n'est pas n'importe quelle soupe. Hein. C'est une soupe avec les côtes de bœuf dedans. Donc, si vous mangez tous les jours, pourquoi vous ne voulez pas venir à l'église tous les jours aussi? C'est une question d'organisation personnelle. Si tu n'as rien à faire, au lieu de regarder, je ne sais pas moi si ça existe encore, les feux de l'amour. En tout cas, voilà. Au lieu de regarder ça, il faut venir à la... Viens, viens, viens. L'atmosphère est favorable. Quand on rentre dans la maison de Dieu, l'atmosphère est favorable. Donc, vraiment, je t'en prie, ne va pas faire le shopping. Viens ici. Donc, il y a ça. Et le séminaire. Le séminaire, c'est un séminaire très spécial. Amen. Le thème, c'est comme Hulda. Il y en a qui vont demander, tu as trouvé la référence de Hulda, elle est où? Comme Hulda soit un signe pour ton époque. Amen. Hey, faut pas rater ça. Amen. Un signe pour ton époque. Je te dis, faut pas rater ça. Nous sommes dans les temps prophétiques. Alléluia. Avec tout ce qui se passe en ce moment, soit Déborah. Esther, mais Hulda, c'est pas là que ça se trouve, va chercher. On n'a pas mis la référence exprès pour susciter ta curiosité. Ça se trouve, il y en a qui ont même dit, non, pasteur qui me l'a inventé ça. J'ai pas inventé, c'est dans la Bible. Amen. Amen. Venez. Tout le monde est convié, tout le monde est invité. Venez, du vendredi jusqu'à dimanche, on va vivre des temps de gloire. Et je suis convaincue que ça sera merveilleux parce que je vous fais confiance. On passe toujours des bons moments ensemble. Amen. Et le Saint-Esprit est toujours là. Donc que l'homme du Seigneur soit glorifié. Si tu as des difficultés, tu en parles, mais prépare-toi pour recevoir, prépare-toi aussi pour donner, parce qu'il y a toujours un échange avec Dieu. C'est un flux transversal, horizontal, vertical. Amen, amen. Voilà, donc soyez vraiment puissamment bénis. On va se lever pour terminer ce moment dans la prière. Accélération. C'est l'année de l'accélération divine. Pas l'accélération des bêtises. L'accélération divine. Et dans cette accélération, il y a des choses qui ont commencé à se positionner. Il y a des messages qui ont déjà été prêchés. Maintenant, parle au Seigneur et dis à Dieu que je veux recevoir et je veux vivre cette accélération en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix.
Ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour tout ce que nous avons fait ce matin, vraiment, nous avons brisé les chaînes. Nous avons adoré. Nous avons, Seigneur, déclaré notre paix en toi. Nous avons déclaré notre amour, notre appartenance. Seigneur, ta parole a été prêchée puissamment par ton serviteur. Nous avons été encouragés et édifiés, Seigneur, ce matin. C'est toi qui nous tiens la main, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. Tu nous emmènes dans les lieux élevés. Cette année de l'accélération divine, Seigneur, avec les clés que tu nous as accordées ce matin, nous voulons avancer. Nous voulons continuer à avancer. Nous ne voulons pas nous arrêter. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, c'est pour cette raison que nous prenons autorité et nous déclarons que toute arme forgée contre nous est brisée. Et tout au long qui ne confesse pas ton nom est condamné. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons expérimenter la dimension de ta gloire, expérimenter la dimension de ta profondeur, toi qui débloques les situations compliquées. Oui, Seigneur, en toi, Seigneur, tout est possible. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, Dieu de gloire, que les choses commencent à s'arranger. Pour ceux qui avaient des problèmes, des difficultés, que les choses commencent à s'éclairer, commencent à s'améliorer de plus en plus. Au nom de Jésus-Christ, là où il y avait des blocages, mon Dieu, mon roi, je déclare que les blocages tombent. Je déclare que les blocages tombent. Seigneur, la Bible déclare qu'on verra la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pour cette raison, Dieu, de la gloire, je me lève pour déclarer la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin dans la vie, Seigneur, de chaque personne ici en ce lieu. Oh Dieu, que tout esprit de ralentissement, l'esprit de non-accomplissement soit renversé au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que le oui arrive, que la faveur arrive, que ta gloire arrive, que ton plan arrive, que ta volonté arrive. Seigneur, j'appelle la transformation dans les cœurs, les véritables conversions au nom de Jésus-Christ. Que l'adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, ce matin, oh Dieu, Seigneur notre Dieu, tu nous assures le succès. Et oui, Seigneur, dans ta parole, tu as dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes résolus à réussir en ton nom. Et nous sommes résolus à réussir selon toi, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes résolus à réussir selon ta parole. Ta parole dit que nous serons la tête et non la queue. Ta parole dit que nous serons devant, ça ne va jamais derrière. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, qu'avec toi nous ferons des exploits. Oh oui, Seigneur, ta parole dit que, Seigneur, tu feras de nos ennemis notre marche-pied. C'est pour cette raison, Dieu de gloire, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. La victoire, Seigneur. La victoire sur toutes les dimensions. Les choses ne se passeront pas comme avant. C'est fini. C'est fini. Oh, que quelqu'un me dise, c'est fini ce matin. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Nous allons avancer. Nous avançons maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Dieu. Ce mariage aura lieu au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare, ce mariage aura lieu au nom de Jésus-Christ. Ce travail va arriver au nom de Jésus-Christ. Cet enfantement va se concrétiser au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce voyage que tu as déjà enfanté va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour les murailles. Ouf. Les murailles qui sont dressées tout autour de nous. Seigneur, oh Dieu, tu nous mets dans un enclos. Tu nous protèges comme la prunelle de tes yeux. Tu prends soin de nous, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous fais aller de gloire en gloire pour monter dans les lieux élevés. Personne ne peut nous arrêter. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Personne, Seigneur. Personne. Tu es Dieu. Reçois l'honneur et reçois la gloire qui t'est due. Merci, Père, pour ton grand amour et ta fidélité dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous déclarons tous Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous énerver à la maison. Au nom de Jésus-Christ, à la fin du mois de février, les témoignages vont pleuvoir. Bon après-midi.